Alors là, c'est les tonneliers. Ils font des tonneaux, tu te rends compte? Je savais même pas que ça existait. Ah non, alors vinaigrier. Alors ça, c'est un vinaigrier. Et puis c'est rigolo parce qu'ils ont fait un support un peu personnel, donc la base. Donc elle change. Tu vois, il y en a trois dans toute la France qui ont réalisé ça. Alors lui, il a même fait un livre, c'est super beau. Vraiment, on a peur d'escanter le livre tellement que c'est beau. Oh là là, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est trop beau. Donc on voit les outils. Alors là, un dossier comme ça donne envie de. Et il mettait même le feu à l'intérieur, la chauffe. L'objectif de cette chauffe est de bien marier les joints et de réaliser un léger bousinage. J'ai utilisé des cales en bois pour surélever le vinaigrier et laisser l'air passer pour avoir une bonne flamme. C'est énorme. Hein. Les photos sont vraiment bien, bien prises. Ouais, c'est vraiment beau comme dossier. Hein. Je sais pas si j'enverrai d'autres dés comme ça, mais ça donne à réfléchir comme c'est bien fait. Ah ouais, il calcule même le litrage. Ouais, c'est énorme. Il a fait tout un tas de calculs pour le calcul du litrage. Il a passé 2 semaines et demie en entreprise, soit approximativement 85 heures, pour réaliser tout l'ouvrage avec le socle, la caisse. Le dossier et les dessins ont été réalisés en 30 heures, soit un total de 115 heures. Là, les plans doivent être là-dedans. C'est beau. Hein.